5 km Lange-Risøyrennan som är det lange seglingslöpet mellan Andøya och Hinnøya. Passagen här är 100 meter bred och bara 7 meter djup och är en svärt viktig samfärdselåre för regionen. Den blev muddrad upp första gången i 1922 för att lätta förbindelsen till och fra Västerålen. Ladies and gentlemen, we are soon approaching the almost 5 km long channel Risøyrenna, which is a narrow shipping lane between the islands of Andøya and Hinnøya. The channel is 100 meters wide and just 7 meters deep, and is an important passage in the region. It was dredged for the first time back in 1922 in order to facilitate passage to and from the Vesterålen Islands. Mine damer og herrer, velkommen gleich zu der knapp 5 km langen Fahrrinne Risøyrenna, die enge Passage zwischen den Inseln Andøya und Hinnøya. Die Passage ist 100 Meter breit und knapp 7 Meter tief und ist ein sehr wichtiger Schifffahrtsweg für die Region. Die Fahrrinne wurde 1922 zum ersten Mal ausgewagert und zwar in die Verbindung zu den Vesterålen-Inseln zu verbessern. Dankeschön. Einer kurzen.
Filmaufnahme? Ja. Und das kann ich auch nicht wissen. Ja, hier ich auch. Ja, das weiß ich doch nicht. Ich meine, aber nee, eigentlich noch nicht, weil ich war ja keine Absicht. Sehr gut. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant dans le chenal de Riserena, d'à peu près 5 km de long. C'est un chenal qui a été creusé et dragué régulièrement entre les îles d'Andoya et Binaya. Il est large de 100 mètres et juste à 7 mètres de profondeur. C'est un passage important pour les bateaux dans cette région. Il a été dragué pour la première fois en 1922 afin de faciliter le passage à travers les îles Vesterålen. Seeadler. Das ist ein paar, den ist denn hier.
Die sind echt. Nein, ich meine, das kann ich Thank you.
Mesdames et messieurs, nous allons bientôt arriver dans la municipalité de Riesenham, dans l'île d'Andeuil. C'est la communauté la plus au nord du comté du Nordland. Et le pont que vous voyez devant vous rejoint les deux îles d'Andeuil avec la plus grande île de Norvège, Inøya, que vous voyez sur votre gauche à bâbord. Après le départ de Riesenham, nous allons passer sous le pont que vous voyez également. Il a été construit en 1974 et a un tablier de 30 à 30 mètres de hauteur. Et c'est l'un des trois ponts sur lesquels nous allons naviguer aujourd'hui. Non? 382 van 382. Oh nee, 1600. Ja, oké. Okay. Dat kan wel, nee. 33. Nee. Ook nog. Ja. Ja.
Un petit peu de monde, un petit peu de monde.